Effectivement, il y a cette ambivalence-là. Je dirais même que c'est un roman polyphonique, puisqu'il y a quatre univers qui évoluent en parallèle, hein. On a aussi, donc on a deux personnages centraux. Simon et Naël, Simon étant un écrivain à la mode, je dirais, hein, qui est habitué de fréquenter la jet set et un peu un écrivain à paillettes qui a beaucoup de succès mais qui n'est pas très heureux dans sa vie privée et intime depuis la mort de sa femme. Et Naël, qui est un personnage, une jeune femme extrêmement mystérieuse, renfermée sur elle-même, mal à l'aise avec le monde et avec la vie. Bon. Puis nous avons parallèlement à ça une famille, une petite famille lambda, tranquille, qui fait un peu le contrepoint de tout ça avec ses petites aventures du quotidien, les fêtes de famille, les repas, les petits bonheurs très simples. Et à côté de tout ça, c'est la quatrième couche, je dirais, c'est cette petite voix dans la nuit dont on ne sait pas très bien d'où elle vient et qui effectivement recouvre le récit d'un voile d'ombre. Alors, c'est mené un peu comme un thriller, en tout cas on découvre des indices au fur et à mesure. On a ces quatre univers qui apparemment n'ont rien en commun mais qui bien entendu finissent par se croiser, voire se juxtaposer. Et c'est aussi une histoire d'amour.